Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Vous avez été des centaines et des centaines à m'envoyer des messages de soutien suite à cet événement un peu traumatisant, on va dire, si je peux dire ça comme ça, de la semaine dernière. J'étais vraiment très bien lancée, comme si j'étais là où il fallait que je sois. J'étais vraiment dans mon élément. J'étais heureuse de faire ce que je faisais. Il reste à peine 30 secondes, je suis en train de gagner. Et donc là, il arrive. Ce fameux événement. Oui, jambes avant. Bouge. Mais on est maudit. Mais pourquoi elle se lève? Et pourquoi il compte? On est maudit. On est maudit. Lève-toi, putain. Mais pourquoi il compte? C'est pas un contact. Non, non, laisse relever. Oh non. Stop, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas là que vous pouvez être. Ça a été quelque chose de hyper choquant, de hyper traumatisant, vraiment choquant. Je comprends pas, comme si le monde s'écroule, comme si je comprenais un peu ce qui m'arrivait en fait, mais ça a été tellement dur. Je voulais vraiment me battre, j'avais encore tellement de force et j'étais. Et là, c'est là que tout commence. Je sais pas, c'est comme si j'avais tellement envie d'y croire, mais qu'au fond de moi, je le savais, c'était vraiment grave. Je me dis, c'était tellement irréel, comment ça peut m'arriver à moi, quoi. La douleur qu'on redoute le plus, nous les karatékas, et peut-être même dans beaucoup d'autres sports, c'est une rupture des ligaments croisés. À ce moment-là, je pense que je suis totalement terrifiée. Je savais la gravité de la situation dans laquelle j'étais. Quand j'arrive à l'hôtel, les médecins me font d'autres tests, mais ils me disent rien. Et là, ils partent. À leur retour, là, ils prennent la parole et ils me disent que je vais avoir beaucoup de peine parce que c'est sûrement une rupture des ligaments croisés. Alors là, j'essaie de garder tout pour moi. Il me dit que le diagnostic pourrait être confirmé davantage le lendemain si mon genou gonfle beaucoup, que j'ai du sang. J'étais incapable de poser le pied par terre, de marcher, de mettre ne serait-ce que 3% de mon poids de corps dessus. Ma jambe était totalement raide. Mon genou se met à énormément gonfler, à énormément faire mal. Donc là, je comprends que ça renforce le diagnostic qui avait été fait la veille. Le médecin accompagné du kiné ponctionne le genou. Mon corps, ma tête, mon cœur, c'était vide. Comme si tous mes sentiments étaient bloqués, c'était enfermé dans une boîte et j'avais dit j'y touche pas. Tu deviens l'avion. 7 heures de voyage. On m'a fait une piqûre pour des anticoagulants. Voilà, j'avais la jambe en bas tout le long du voyage, 7 heures. C'était un peu dur. J'ai essayé de faire plein de petits exercices pour garder le plus mobile possible. Sauf que l'après-midi, on arrivait à Paris.
ça se passe pas du tout comme j'avais prévu. Je pensais que le plus dur était passé. Et au final, mon genou a quadruplé de volume. Mes douleurs, elles étaient énormes. Le genou, ma jambe, ma cuisse commençait à devenir violette. Ça n'avait pas du tout été une bonne journée. Je me suis blessée le samedi. Le dimanche, le lundi sont passés. Arrivée au mardi, donc arrivée à l'IRM. Je peux toujours pas marcher ou mettre de poids. Je ne tiens pas, voilà, c'est... Mais bon, d'après le médecin, s'il n'y a que le ligament de rompu, il va falloir que je fasse une éducation, que je renforce tout ça. Et puis, bah, je croise les doigts pour avoir ma sélection au TQO et être prête pour l'événement. J'ai rendez-vous à l'INSEP tôt le matin. C'est simple, quand les résultats sont tombés, j'ai repris espoir dans les premières minutes. Puis ensuite, coup de massue dans celle d'après, on m'a annoncé une rupture totale du ligament croisé antérieur, une rupture partielle du ligament interne du genou, ainsi qu'une rupture capsulaire partielle au niveau de la tente des croisés. Donc, si j'ai bien compris, c'est une poche remplie de liquide qui protège le genou qui s'est rompu partiellement, donc il y a du liquide qui se trimballe dans mon genou. Donc en fait, c'est très simple. Ma qualification au point pour les Jeux Olympiques, même si j'étais vraiment très très bien partie pour me qualifier au point, ça va s'arrêter là, ça se stoppe. Tout simplement parce que je ne peux pas participer aux dernières compétitions de qualification et qu'on était quand même au coude à coude avec mes concurrentes étrangères comme la Turque ou la Serbe ou encore l'Iranienne. Maintenant, il reste une dernière épreuve de qualification, le TQO, qui est dans exactement 10 semaines. Mon objectif, c'est clairement le TQO. J'ai dit, mais à quoi ça sert d'aller chez le kiné? Je ne peux même pas tendre la jambe, je ne peux même pas plier, ne serait-ce que... tout petit peu la jambe, c'était ridicule quoi. Et bah, arrivé chez kiné, ça se passe plutôt bien. Une séance par jour, mardi, mercredi, jeudi, et c'est incroyable l'évolution qu'il y a eu. En fait, tout de suite après la première séance, je pouvais marcher avec les béquilles. Et j'ai même pu faire quelques petits pas sans les béquilles. Bon bah là forcément, ça ressemblait un peu à rien, mais c'était tellement à des années-lumière de la veille, donc j'étais vraiment très contente. Il y a plusieurs avis en fait qui sont un peu différents les uns des autres. J'ai d'abord vu le chirurgien, ça a été un énorme coup de massue. Lui m'annonce clairement que j'ai 99% de chance de pas réussir. Le chirurgien m'a annoncé qu'il fallait que je me fasse opérer, mais que c'était pas non plus impossible. Moi je lui ai fait comprendre que de toute manière s'il y avait 1% de chance, sur 1% de chance je m'y raccrocherais. Et que j'irai jusqu'au bout, que je suis prête à me battre, que je suis vraiment prête à faire la guerre à mon corps, à faire la guerre à ma tête, et que j'irai jusqu'au bout. Et du coup, on se laisse 6 semaines. 6 semaines pour rééduquer mon genou, pour que tout aille mieux, pour que je réapprenne à marcher, que je réapprenne à plier le genou, que je réapprenne à courir, que je réapprenne à tout faire. Au bout de 6 semaines, je passerai tout un tas de tests, je passerai des examens à nouveau. Et s'ils sont positifs, alors j'aurai un mois pour me préparer à fond pour le TQO. C'est possible de faire du sport de haut niveau sans son ligament croisé. Il va falloir que je compense énormément pour stabiliser mon genou. Parce que c'est simple, hein, il n'est plus du tout stable et... il fonctionne plus bien quoi, donc du coup il va falloir que je redouble d'efforts, mais je suis prête à ça, je suis prête à me battre. Et si aujourd'hui j'ai aucune certitude sur mon état de santé, je peux vous dire que j'ai une certitude, c'est que je me battrai jusqu'au bout, que le combat continue, que mon aventure olympique n'est pas encore finie. J'ai encore tellement de force et encore tellement d'énergie à déployer dans ce projet, et j'ai tellement donné et je suis passée par tellement d'épreuves et j'ai affronté tellement de choses. J'ai vraiment besoin de votre soutien parce qu'il m'aide tellement. J'ai répondu à aucun de vos messages, mais je les ai tous lus. Et ça m'apporte tellement de courage
et de motivation, vous pouvez même pas imaginer. Alors merci à vous tous. Voilà, je vous en parle aujourd'hui parce que je pense que j'ai passé un cap. Il s'est passé des choses dans ma famille qui font que je me rends compte que il y a tellement plus grave dans la vie que du coup, voilà, j'ai décidé d'accepter la situation. Alors c'est dur. C'est dur parce que je passe un peu par toutes les émotions. Un coup ça va, un coup j'accepte, un coup je suis tellement colère. Je me dis mais comment ça peut m'arriver à moi? J'ai toujours tout fait pour que justement ça passe à côté. Je mange bien, je dors bien, je m'entraîne dur, je m'échauffe bien. Et au final, bah, c'est arrivé. Alors je l'explique pas. Il y en a qui me disent que c'est le destin, mais bon. C'est facile quand même de dire ça. Parfois, je subis la situation, parfois, je l'accepte. Dans tous les cas, aujourd'hui, je suis prête à vous partager cette nouvelle aventure parce que je vois vraiment ça comme un nouveau combat. Et j'essaierai de vous partager un maximum sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, mais aussi sur YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai beaucoup plus éclairé sur ce qui m'est arrivé. Et puis... Bon, on se revoit, j'espère, bientôt sur les tatamis et j'espère que si tout se passe bien, je croise tellement les doigts et je prie tellement fort pour que vous soyez à me regarder à combattre au Tekkyo à Paris. Voilà.